suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler mariage et plus précisément de nos faire-part de mariage. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas, avec Julien on se marie le 7 décembre 2019 à la montagne au milieu des sapins, j'ai trop hâte. On s'est déjà marié civilement début juillet et là on se marie du coup religieusement et c'est là qu'on va faire la fête avec nos amis et toute notre famille. Donc on est vraiment hyper excités et aujourd'hui j'avais envie de vous parler un petit peu plus en détail de nos faire-part de mariage. Donc nous on a préféré le faire en deux temps. On a d'abord envoyé un premier carton d'invitation qu'on appelle les Save the Date. C'est des petits cartons sur lesquels on écrit la date du mariage et c'est pour que les invités commencent à bloquer leur date, à se dire bon bah voilà je bloque mon week-end parce qu'il y a le mariage de Sophie et Julien ce week-end là. Donc voilà à quoi ressemblait le nôtre. On l'a fait faire sur le site Popcart. On a préféré l'écrire en français, on a écrit noter la date, nous allons nous marier. Et juste en dessous, on avait fait des petits calendriers, enfin c'était un template qui était déjà tout fait. Et c'est vrai qu'il nous plaisait beaucoup, donc on a entouré le jour de notre mariage, le mois et on a écrit l'année. Donc voilà, c'était une petite façon un petit peu rigolote de dire quand est-ce qu'on allait se marier et proposer aux invités de bloquer la date. Et ensuite, de l'autre côté, on avait envie de mettre des petites photos de nous, mais un petit peu en mode rigolo. Donc on a voulu faire esprit photomaton, vous savez les 4 photos du photomaton. Ça on les a fait imprimer via le site Innocence. On est très satisfait aussi. Donc c'était sous format photomaton, on a découpé pour que ça puisse rentrer sur notre faire-part. Et là j'avais acheté du petit scotch doré chez Emma. Je vous fais un petit zoom sur les photos. Ici c'était une petite photo rigolote avec moi qui montre la bague de fiançailles, une petite photo où on fait un grand sourire, celle-ci aussi, et puis pour la petite touche, on avait envie de mettre vinyle sur cette photo là. Donc la photo n'a pas été forcément hyper facile à prendre. C'était hyper rigolo parce qu'on a fait ces photos avec un retardataire du coup face à un mur blanc. Donc voilà, il n'y avait personne qui nous prenait en photo, on l'a fait nous-mêmes. Et donc les photos qu'on a faites avec vinyle, c'était assez rigolo parce que bon, il n'avait pas forcément envie de se prêter au jeu. Donc voilà pour nos Save the Date. On les a envoyés. On les a envoyés début juin. Oui, c'est ça, début juin. Donc ça faisait 6 mois avant le mariage. Bon, après, c'est vraiment en fonction de vous, quand est-ce que vous voulez le bloquer. C'est vrai que si vous vous mariez en été, il y en a qui disent il faut l'envoyer un petit peu avant parce que potentiellement les gens sont davantage pris. J'avoue qu'un 7 décembre, on avait un petit peu moins de risques. Mais 6 mois avant, c'était largement suffisant. Vous pouvez aussi le faire, par exemple, il y a ma copine Émilie qui se marie l'année prochaine. Ils avaient envoyé leur faire-part de mariage exactement un an avant leur mariage. Donc je trouvais ça très chouette aussi. C'était un joli clin d'œil. Donc voilà. Et ensuite, on passe au faire-part qu'on a aussi fait via le site Popcart. En fait, ce qui est très bien avec ce site, déjà leurs templates sont vraiment canons. Il y en a pour tous les goûts, j'ai vraiment adoré ce qu'ils proposaient. Et ce qui est bien, c'est qu'ils font des collections mariage, donc c'est-à-dire que vous avez des... vous avez le Save the Date, le faire-part de mariage, le livret de cérémonie, les marque-place. Enfin voilà, il y a toute une harmonie entre la papeterie de mariage. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez prendre tout chez Popcart et du coup avoir une vraie harmonie entre toute la papeterie de votre mariage,
Donc nous, on a choisi de faire les save the date et les faire part dans le même template. Donc ça s'appelle le template Tempo sur le site si jamais vous avez envie d'aller voir. Bon, maintenant je vais vous montrer le faire part de mariage. J'ai pas envie de tout vous montrer parce que je suis sûre que vous comprendrez, mais j'ai pas envie de dévoiler le lieu du mariage avant le mariage. Donc je vais essayer de cacher au fur et à mesure, mais il y a des pages que je peux vous montrer sans problème. Donc voilà à quoi ressemble la première page de notre faire part de mariage. Donc ici en haut il y a écrit Sophie et Julien, la date de notre mariage. Et ce que j'aimais beaucoup, c'est que là ça retrace un petit peu l'histoire de notre couple, on va dire, avec les événements important, et je trouvais ça vraiment trop chouette de rappeler ça sur le faire part. Donc 2014, la rencontre. 2015, l'emménagement dans notre premier appartement à Paris. 2016, l'arrivée du petit vinyle. Je trouvais ça trop mignon de mettre ça aussi sur le faire part. 2018, la demande à Londres. Et 2019, le mariage. Ensuite, à l'intérieur du faire part, je vais pas forcément vous montrer parce que voilà, il y a toutes les informations pratiques. Mais par contre, je voulais vous montrer un petit truc qu'on a fait. En fait, j'avais envie de rajouter une petite touche de do it yourself dans notre faire part de mariage, tout comme on l'avait fait sur le save the date avec les photos qu'on avait rajoutées, qu'on avait collées et où on avait mis des petits bouts de scotch. C'est vrai que j'aimais bien le côté voilà, on rajoute notre petite touche personnelle au faire part. Et donc de ce côté là j'avais eu l'idée de réaliser des petits sapins en aquarelle. En fait, à l'origine, je m'étais dit j'aimerais bien trouver des faire-part où il y a des petits sapins, parce qu'on se marie vraiment à un endroit où on est au milieu des sapins. Et donc voilà, je trouvais que ça représentait bien l'univers du mariage. Mais voilà, j'ai pas réussi à trouver ce que je voulais. Et finalement, je me suis dit qu'on pouvait peut-être les faire nous-mêmes. Et en fait, il y a ma copine Sophie, qui est maintenant au Canada, qui m'a pas mal aidée sur ce sujet, parce qu'elle, elle fait pas mal de dessins. Et elle fait justement la technique que j'ai utilisée pour cette aquarelle. C'est pas vraiment de l'aquarelle traditionnel, on utilise ces petits stylos avec un pinceau au bout comme un pinceau de peinture classique, sauf que c'est des pinceaux à réservoir d'eau et il suffit de tremper la pointe dans de la peinture ou dans de l'encre et d'appuyer un petit peu sur le réservoir d'eau. Et ça va donner un petit peu l'apparence de l'aquarelle. Mais le plus simple, c'est que je vous montre directement sur le faire part comment est-ce que j'ai réalisé ces petits sapins en fausse aquarelle. Je trouve que ça rendait vraiment bien et voilà, j'aimais bien l'idée d'avoir fait un petit do it yourself sur les faire part. C'était rigolo parce qu'on a passé du temps à le faire. Surtout avec ma maman et ma petite sœur, parce que c'était une semaine où j'étais remontée à Paris et c'est vrai que je les ai engagées à m'aider. Mais là je vais le faire en live avec vous pour vous montrer comment est-ce qu'on s'en est sorti. Donc ce que je fais au début pour mes petits sapins, c'est que je vais dessiner très grossièrement. Alors il faut savoir que je sais pas dessiner, hein. C'est vraiment un niveau très facile parce que voilà, c'est pas des sapins artistiques avec des petites épines. C'est vraiment le sapin qu'on apprend à faire en primaire. Mais je vais d'abord les dessiner avec ce stylo, justement les stylos Stabilo Pen 68. Et je vais faire toute une rangée de sapins de différentes hauteurs. Et après j'utiliserai mon pinceau à réservoir d'eau. Et je vais vous montrer, c'est comme ça que je vais faire un petit peu de perspective avec des sapins de couleurs un peu moins vives, comme en arrière-plan. Mais c'est parti. Et
Et donc voilà le résultat, je vous montre pas de trop proche parce que j'ai du mal à cacher et vous montrer en même temps. On a aussi rajouté des petits bouts de scotch ici et ici, voilà, pour un petit rappel au Save the Date où on avait collé les photos avec du scotch doré, toujours le même scotch doré de chez Emma. Et à l'intérieur de notre faire-part, on avait glissé aussi cette petite carte où il y a écrit vivement décembre, et au dos on avait écrit d'autres informations pratiques qui ne rentraient pas sur le faire-part, parce que c'est vrai que c'est ça qui est compliqué sur un faire-part. Il y a quand même beaucoup d'informations à donner, les adresses des différents lieux, les horaires, voilà. Et c'est vrai que ça peut paraître un petit peu chargé, donc soit ce que vous choisissez c'est de faire un faire-part assez minimaliste et à côté dans l'enveloppe de glisser une feuille ou un papier avec toutes les informations pratiques. Nous on a choisi de mettre quand même pas mal d'informations sur le faire-part. C'est vrai qu'il est pas minimaliste du coup, mais voilà, il nous ressemble bien. J'aime vraiment beaucoup trop cette première page. Donc voilà pour nos Save the Date et faire-part de mariage. Je sais pas si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.